Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo Boomstar. Ouais ça fait très longtemps, ouais bah là c'est un truc vraiment unique sur ma chaîne tu vois. Ouais, bah ouais tu l'as eu l'autre dans le titre, on va aller directement au sujet. J'ai reçu le colis, le petit colis qui fait zizir. Donc oui, c'est un colis super sombre. Comment je le sais? C'est parce que Supercell franchement ils sont vachement pros sur ça et ça je trouve ça très clairement propre, tu vois. Ça passe pas par Colissimo, ça passe pas par Chronopost, c'est pas de point relais, c'est directement chez toi avec un livreur bien spécifique. Et les mecs, je vous jure, hein, j'ai commandé il y a pas si longtemps que ça, je pense il y a 3-4 jours, même pas. J'ai commandé ce week-end et là on est jeudi, donc il y a 3-4 jours et je me suis fait livrer alors que tu payes rien de plus. Et ça je trouve ça phénoménal, c'est du professionnalisme, j'adore, je valide. Donc les amis, le voici, le voilà, le colis Supercell. Bon, il est un peu... Il fait quand même une bonne taille, je trouve. Ça fait extrêmement zizir. Voilà, voilà. Je vous montre. Attends, je mets la main devant comme ça, personne ne voit ses informations personnelles. Voilà, quoi. Tu vois, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Donc, les amis, on va aller tout de suite s'équiper d'une arme à feu. Non, je déconne. D'une arme blanche qui est noire. Bête de merde. Ok. Bon. On va essayer de pas découper ce qu'il y a là-dedans. On va faire ça. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Donc, on a déjà ouvert de chaque côté. Tu vois, je peux te montrer. C'est ouvert là. Et c'est ouvert là. Voilà. Maintenant, je ferme les yeux et je me coupe un doigt. Ah ! Non, je connais. Je sais pas me couper le doigt. J'essaie de pas regarder ce qu'il y a dedans. Ok, c'est bon. Ok. Je regarde ça. Touloum. Ah merde, j'ai le retour caméra. Ah lourd. Donc, en taille, deux sachets, un jaune et un rose. Ça c'est le numéro de commande, Supercell, je peux le prouver. Comme ça, il n'y a pas de contrefaçon. Hop là. Wally Wallou. Écoutez, bah ça fait extrêmement plaisir. Ça c'est les quantités. Donc oui, j'en ai pris deux. Je vous laisse deviner dans le chat qui est-ce que j'aurais pu prendre. Je vais attendre un peu. Je vais faire une petite photo là pour la miniature, tu vois. Et voilà quoi. Allez, écris dans le commentaire qui est-ce que j'aurais pu prendre. Non, n'écris pas, fais comme tu veux mon pote. Au moins en attendant, j'ai fait ma petite photo pour la miniature. Voilà, hop, la photo elle est faite. Ça c'est dans la boîte. Maintenant. Le problème c'est que je sais qui j'ai. Oh, je sais. Et je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. Allez, on va commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Ah, je suis comme un gamin. Flash Limited Edition. Ah, c'est une édition limitée. Je savais pas. Je savais pas du tout. Oh, bah, c'est top. Allez, celle-là. Hop, hop. On en parle après. Ah les amis. Oh non. Allez, on commence. Ah oh, trop lourd. Oh la rapidité de livraison, mais je suis choqué. Parce que du coup j'ai mis du temps à commander. Et je pensais que j'allais recevoir ça dans longtemps. Et ben au final pas du tout. Je suis trop content. Donc là vous l'avez reconnu ? Quoi ? La tourelle de JC. Et du coup, il y a qui est là? Il y a JC. Oh, trop stylé.
et tout. Ah, ça fait bizarre de la toucher. Tu te dis que genre c'est dans le jeu quoi, c'est un personnage. Du coup, je peux la mettre, par exemple pour là-haut, tu vois. Genre je peux faire ça. J'essaie de faire un truc du style. Hop. Non, on la voit pas assez, c'est dommage. Fais comme ça. Hop. Il y en a un autre et je te laisse. C'est qui le deuxième? C'est qui? Pour vous, c'est qui? Pour vous, les amis, c'est qui le deuxième? Alors celui-là, c'est ma copine. C'est ma copine qui m'a dit prends celui-là, je le trouve plus mignon. Voilà. Du coup, le touch bag, je vais le garder. Mon touch bag, premier touch bag Supercell. Premier touch bag d'un jeu vidéo que j'ai. Première commande en rapport avec un jeu vidéo que je fais. Parce qu'avant, j'étais pas spécialement gamer. Et voilà quoi, comme quoi, bah, certains jeux, bah, des fois, des talents, tu vois ce que je veux dire? Alors. Oh la vache. Pouf, ma copine, elle aurait pu aimer qui? Attendez, non, c'est bon, vous le voyez pas. Vous voyez pas. C'est assez gros le truc, hein. Ouh là là. Le pire, c'est que hier, en live, quelqu'un qui m'a envoyé un screen comprenait, il y avait d'autres trucs qui allaient sortir. Mais le problème, c'est qu'après, c'est ma banque qui va pleurer, quoi. On va dire, monsieur, vous avez plus d'argent sur votre compte, comment ça se passe? Ouais, je suis désolé, il y a un jeu que j'aime, mais je passe des commandes. Non, c'est pas moi, voilà. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute. Nickel. Donc, les amis, là que ma copine a choisi, eh bien, si, tout ce que tu veux. Pourquoi? Bah, bon, là, il est pas ouf. Hein. Là, il faudra vraiment que je le remette droit. Voilà. Dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que le chapeau, il est grand et du coup, c'est un peu déformé. Bon, je pense qu'avec le temps, on va essayer de le remettre droit. Après, c'est une peluche, hein, tu me diras. Poco! Ring, 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 ring! Chica, chica! Hola! Hola, qu'est-ce que ça? Hola, qu'est-ce que ça? Machica! Poco! Donc voilà, Poco. Et peluche, Poco. Bon, c'est vrai que le chapeau, c'est dommage. Hein. Dommage que le chapeau il soit un peu déformé du coup dans le collier. Mais franchement, les peluches, elles sont vraiment d'une taille pas dégueulasse. Hein. Je vais vous le mettre bien, comme ça vous pouvez le voir. Elles sont vraiment d'une bonne taille. Hein. Et ça, c'est pas négligeable. La petite veste, regardez carrément. La petite finition. Regardez, je vais vous montrer. Petite finition de la veste, c'est vraiment impressionnant. Le petit nœud pape en dessous. Pareil, c'est très impressionnant. Après la guitare, ils sont pas pris la tête et c'est simplement efficace. Le plus efficace, en revanche, c'est la tête de Poco. Ah ouais, la tête de Poco, il n'y a pas photo. Elle est vraiment bien faite, hein. Bah écoutez, c'est grave cool, hein. Et donc du coup Poco, il sera. Je suis en pyjama, t'inquiète même pas. À base. Je vais essayer de le mettre. Comme ça quand je serai en live, et bah vous verrez, bah du coup, les poloches sous porcel. Donc écoutez, bah voilà les amis, j'ai eu Jessie, j'ai eu la tourelle de Jessie, c'est une limited d'édition, donc du coup, bah, extrêmement plaisir. Je me suis pas spoilé du coup avec les autres vidéos, donc ça c'est ça qui fait extrêmement plaisir, je me suis pas du tout spoilé. J'ai vu qu'elle a sorti d'autres vidéos, je me suis pas spoilé pour avoir le kiff de l'ouvrir. Du coup, le sac Supercell, ok, bah il écrit que d'un côté Supercell, je pense que vous allez le voir. Supercell, ça fait zizir.
Pareil, leur qualité, c'est pas dégueulasse, hein, la qualité de leur sac n'est pas dégueulasse. Moi, je pense que le jaune sera à moi, le rose sera à ma copine. Ça nous aura notre petite touch bag pour aller à la Paris Games Week cette année. Et elle vient avec moi, je pense qu'elle viendra avec moi. Voilà quoi. Et puis voilà quoi. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. On se retrouve cet après-midi pour un nouveau live Brawl Stars, comme d'habitude, en direction des 9000 trophées quoi. Et puis voilà quoi. Si t'aimes Poco, lâche un pouce bleu. Si t'aimes Jessie et sa tourelle, lâche un pouce bleu. Et puis sur ce, bah écoutez, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Ou une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était petit rail. Bye bye. Ouh. Allez, arrêtez l'enregistrement. Ouais.